Le prince Harry a demandé à son propre journaliste trié sur le volet de couvrir le dévoilement de la statue de la princesse Diana le mois prochain, a-t-on affirmé. Le duc de Sussex doit retourner au Royaume-Uni depuis la Californie pour l'événement au palais de Kensington le 1er juillet. Et il nommera son propre journaliste pour couvrir la journée plutôt que d'utiliser la rotation royale traditionnelle des journalistes des journaux britanniques, a rapporté le Mail on Sunday. Harry et Meghan Markle se sont fait entendre dans leur critique de la presse britannique. Le retour prévu du duc le mois prochain n'est que la deuxième fois qu'il se rend au Royaume-Uni depuis le Brexit. Les spéculations ont été nombreuses quant à savoir si la duchesse de Sussex le rejoindrait en Grande-Bretagne. Cependant, elle a récemment donné naissance à leur fille Lilibet Lily Diana. Le dévoilement de la statue intervient alors que de nouvelles allégations ont été faites au sujet de la rupture de sa relation avec son frère le prince William. Selon le biographe royal respecté Robert Lasset, le duc de Cambridge est devenu balistique en octobre 2018 lorsqu'il a entendu parler d'allégations d'intimidation formulées par le personnel royal contre Meghan, ce qu'elle nie. Écrivant dans la version mise à jour de son livre Battle of Brothers, publié en série par le Times, M. Lasset a déclaré « L'affrontement entre les deux frères et sœurs était féroce et amer. L'incident a conduit William à provoquer la scission de sa maison et de celle de Kate à Kensington Palace avec les Sussex, selon l'auteur royal. Un ami du futur roi a déclaré à M. Lasset « William a jeté Harry dehors. » Le livre affirme également que les frères et sœurs se sont affrontés au début de la relation de Harry avec Meghan à propos de la tentative de William de ralentir la romance. Selon M. Lasset, la situation s'était un peu calmée au moment où Harry et Meghan se sont mariés en mai 2018. Mais la rupture concluante et déterminante qui a duré jusqu'à nos jours est survenue en octobre de la même année. Harry attribue la rupture à la jalousie à l'égard de la popularité semblable à Diana de Meghan lors de leur tournée en Australie à l'automne 2018, selon Battle of Brothers. Cependant, le livre affirme que William a décidé de diviser les ménages avec les Sussex après une confrontation furieuse avec son jeune frère au sujet des allégations d'intimidation, ce que Meghan nie. Harry et Meghan ont déménagé de leur maison de Kensington Palace à Frogmore Cottage à Windsor. Et la séparation des ménages a été annoncée en mars 2019, les Sussex installant leur nouveau bureau à Buckingham Palace. Meghan et Harry ont ensuite quitté leur fonction royale en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique. Le couple a fait une série de déclarations explosives sur la famille royale dans leur interview avec Oprah Winfrey plus tôt cette année.